professeur Goula Bitié Albert, de la Direction générale des ressources en eau, directeur de la protection et de l'aménagement des ressources en eau. Je suis le point focal de l'autorité du bassin de la Volta en Côte d'Ivoire et chargé de coordonner ces projets en Côte d'Ivoire. Cet atelier est dans le cadre donc d'un projet que nous avons initié qui vise à réduire un peu la vulnérabilité ou augmenter la capacité des populations qui sont dans ces bassins en période de sécheresse et d'inondation. Et nous avons commencé par une première collecte de données, d'informations sur le terrain. Une équipe de techniciens a été formée et des cartes ont été produites avec l'appui de l'OMM, de la Fondation Shima en Italie et de tout ça coordonné par le partenaire régional de l'eau à Ouagadougou. Alors, donc, on a fait les travaux de terrain, on a fait les travaux d'exploitation des données qui permettent de mettre en lumière les zones exposées et les infrastructures qui sont impactées par la sécheresse et par les inondations. Aujourd'hui, notre enjeu ici, c'est de présenter les premiers résultats aux directeurs généraux de la météo du Burkina, du Mali, du Ghana, du Togo et du Bénin. Aussi aux responsables des ressources en eau de ces mêmes pays et aux techniciens qui interviennent dans la protection civile et d'autres aspects. Donc nous sommes là pour évaluer le travail qui a été fait, voir est-ce que les premiers résultats sont intéressants et puis proposer des pistes pour la suite puisque une deuxième phase va être entamée en 2022. C'est un peu ça le principal enjeu de notre atelier. Ici, pour ceux qui sont dans la zone, ils voient bien qu'en certaines périodes de l'année, déjà dès la fin du mois de novembre, les cours d'eau sont complètement asséchés au niveau de leurs affluents. Il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau, dans les affluents. Les cours d'eau principaux commencent à stagner. Ça, c'est ce qu'on observe dès le mois de novembre. Et puis, on a, dès le mois de mars, pratiquement, c'est de l'eau difficile à utiliser. Il n'y a pratiquement plus d'eau pour les populations. Au niveau des inondations, on observe aussi au niveau de cette région beaucoup d'inondations le long de la Volta. Les populations sont, les zones comme Tagadi, toutes ces zones-là sont inaccessibles en période. Les zones comme Koudio sont inaccessibles en période d'inondation. Et ça, c'est très fréquent. Donc l'occurrence de ces deux phénomènes, sécheresse et inondation, sont tels qu'il était important qu'on voit dans quelle mesure les populations peuvent être aidées à travers une alerte qui peut être planifiée dans un cadre global depuis en intégrant la météo. De façon pratique, les données de base qui sont indispensables seront fournies par la météo, qui seront donc traitées à travers des modèles climatiques bien sûr et des modèles de prévision et qui vont donner les zones à risque qui vont suivre pour un événement pluvieux ou un événement climatique donné. L'alerte pourrait être donnée à la protection civile qui, par des relais via des radios de proximité ou autres moyens de communication, on pourra donc ainsi prendre les dispositions pour éviter soit les inondations ou alors pour préparer la riposte face à la sécheresse qui peut survenir en certaines circonstances. Comme actuellement, il y a la sécheresse qui s'annonce. Il faut déjà commencer à prendre les dispositions pour approvisionner les populations en eau par rapport à plus tard la proposition, et ça c'est une autre phase du projet, à la proposition de solutions basées sur la nature que nous envisageons avec des projets pour lesquels que nous avons déjà montés et pour lesquels nous allons rechercher des financements. Je suis Dibi Milogo, directeur exécutif adjoint de l'autorité du bassin de la Volta. Il s'agit d'un atelier régional qui se tient ici à Abidjan dans le cadre du partage de connaissances sur la vulnérabilité, les capacités d'adaptation, l'exposition et les risques, et aussi sur le processus d'élaboration des cartes de risque d'inondation et de sécheresse et des cartes climatologiques. En clair, il s'agit de parer aux problématiques que l'on vit dans les bassins. Avec les changements climatiques, vous savez, les problèmes d'inondation, les problèmes de sécheresse sont de plus en plus récurrents. Et pour ce qui nous concerne, au niveau du bassin de la Volta, on s'est dit
ces problèmes engendrent beaucoup d'autres conséquences. On s'est dit que si on avait la possibilité de savoir qu'à tel endroit, à tel moment, il pourrait y avoir des inondations ou il pourrait y avoir de la sécheresse qui cause des dégâts, on peut alors se préparer à faire face à ces événements. On peut aussi faire en sorte que les populations qui y habitent puissent avoir une capacité beaucoup plus grande en matière d'adaptation. Ça, c'est des dispositions qu'on devra prendre afin de ne pas être vulnérable véritablement à ces aléas. Donc voilà de façon simple l'objectif de l'atelier, produire une cartographie des zones à risque d'inondation et de sécheresse et pour que les différents acteurs puissent les utiliser pour faire en sorte que les populations puissent être moins vulnérables aux aléas climatiques. Armand Wanyé, je suis le secrétaire exécutif du Partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest. Donc nous nous retrouvons ici à Abidjan pendant 2 jours pour présenter les projets, notamment de cadre et des risques d'inondation et de sécheresse et qui ont été produites dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta ». Il faut dire qu'en amont de la production de ces 4 de risque, il y a eu une évaluation de la vulnérabilité, mais également de l'exposition et tout ce qui concerne l'aléa en rapport avec ces risques. Comme vous le savez, avec le contexte de la variabilité et voire de l'exacerbation des changements climatiques et qui impacte nos populations, notamment dans le bassin de la Volta, à travers notamment les questions d'inondation et de la sécheresse, il est important d'améliorer la connaissance que nous avons de ces risques et de ces problématiques. Et vous savez aussi que devant ces risques, nous ne répondons pas de la même manière. Lorsqu'on prend les pauvres et les riches, par exemple, vous verrez que nos habitats, les maisons que nous construisons, n'ont pas souvent les mêmes fondations. D'accord ? Nous ne mobilisons pas les mêmes ressources pour pouvoir construire ces maisons. C'est dit que nous n'avons pas les mêmes capacités d'adaptation vis-à-vis de ces risques. De la même manière, on peut dire que nous ne sommes pas vulnérables de la même manière à ces risques. D'où la nécessité de connaître comment les uns et les autres sont exposés. Quel est leur degré d'exposition? Quelle est également leur capacité d'adaptation? Capacité d'adaptation qui peut être faible, qui peut être moyenne et qui peut être également élevée. Donc c'est de la connaissance de ces capacités d'adaptation, mais également de la vulnérabilité, qu'on peut savoir quels sont les types de mesures d'adaptation que nous pouvons mettre en place. Et lorsqu'on parle également de 4 de risque d'inondation et de sécheresse, ça nous permet de savoir, lorsqu'on prend à l'échelle d'un bassin hydrographique par exemple, ou bien d'un sous-bassin, quels sont les endroits qu'on peut dire de risque élevé, de risque moyen ou modéré, mais également de risque faible. Plus le risque est élevé, ça voudrait vous dire qu'en cas de risque d'inondation, vous pouvez vous retrouver en situation selon laquelle tout ce que vous avez mis comme habitat ou bien maison ou bien investissement peut être emporté par les questions d'inondation. Donc, si le risque est élevé, on peut recommander pour dire que en fonction du type d'investissement que vous devez mettre en place là, vous devez prendre les mesures ci-après. D'accord, pour sophistiquer l'investissement que vous devez mettre en place. Ce qui fera en sorte que votre niveau de vulnérabilité peut être réduit d'accord, par rapport aux mesures que vous avez mises en place. C'est dire que les outils que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui sont des outils d'aide à la décision. Lorsque vous avez vu un préfet ici, un maire, à partir de cela, on peut sensibiliser les populations et comme vous le savez, qui s'installent aujourd'hui de façon très anarchique. Dans des localités très vulnérables aux inondations. Donc, c'est des éléments qui sont produits et on espère que, avec l'ensemble des populations et des techniciens experts qu'on a pu mobiliser pour cet atelier régional, on pourra vraiment valoriser ces résultats dans la suite
de façon à ce qu'on puisse constater dans les années à venir que nos populations deviennent de moins en moins vulnérables à ces problématiques, que ce soit des inondations ou de la sécheresse.